How old are you? Lola, 28. Okay. Hunter, 27. All right, what's the goal for tonight? Get drunk, have a good time. All right, what about you? Yeah, same. Okay. Well, now let me ask you this. What type of man do you like? Rich. Okay, can you describe a little more? Let's go. That's it? Rich, period? Okay. Oh, my mama. Okay. Okay, so I like my man to, you know, be funny, rich, of course. Okay, oh, let me not say that. You know, I have a taste. I'm already married, so. Same, we work at the same club together. Okay. So what do you think of men in Atlanta? Do you think that men nowadays are simps? They're insane. What do you think of men in Atlanta in general? Trash. Garbage. Trash. Okay. Yeah. Là, je me dis, est-ce qu'on est dans une dimension parallèle? Est-ce qu'on va se réveiller? Je me dis, mais j'arrive pas à croire de mon temps, hein, qu'une femme puisse dire ça sur Internet avec autant de légèreté, vraiment décomplexée, meuf, il n'y a aucun problème. Bah, peut-être que tu attires ce que tu reflètes, sans vouloir te manquer de respect, mais j'ai l'impression quand même, non? Donc, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, en commençant par la réponse à la question, qu'est-ce que tu recherches chez un homme riche? C'est-à-dire, mais oh, ok, pas mal, pourquoi pas. Mais est-ce que tu peux développer? Non, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Tu vois le problème, Géraldine? Alors, elle, c'est pas Géraldine, parce que quand même, c'est un niveau, tu peux plus quand même, hein. Faut dire ce qui est, les gars, c'est quand même des belles femmes. Non, il y a toujours un gars dans le commentaire, franchement, elles sont éclatées. Arrête. Bon, les gars, faut être juste avec soi-même, hein. Voilà, hein, c'est pas parce qu'on apprécie pas ce qu'une personne dit que tout d'un coup, voilà, des belles femmes, hein. On est tous d'accord là-dessus. Bref, mon souci avec Karen, voilà. Ouais, ça, c'est venu comme ça, Karen. C'est que vous n'apprenez pas. Moi, je suis toujours surpris. Tu n'apprends pas de l'histoire. Tu ne prends pas expérience des gens qui sont passés avant toi. Combien de femmes ont pensé comme vous, les filles? Hein, je pense à les Amber Rose, à les influenceuses qui étaient super bonasses il y a 10 ans. On ne sait même plus c'est qui. Je me rappelle juste d'Amber Rose. Les autres, je me rappelle même plus. Et c'était des bonasses de chez bonasses. Hein, Amber Rose, les gars. D'ailleurs, je ne fais même pas de débat avec vous. Amber Rose, c'est la bonasse que la Terre ait jamais connue. Là, vous dites, ouais, moi, je trouve qu'Amber Rose, quand même, moi, je sais pas. Moi, jamais. Ah, les gars. Amber Rose, il n'y a pas de débat. Elle m'a traumatisé. Mais bon, en tout cas, Amber Rose... Pareil que vous, elle avait le même discours. Elle est passée de Kanye West, hein, elle pensait que juste sa beauté suffisait. Kanye West, alors que Kanye West, quand même, c'est un fou. On sait que lui, pour pouvoir récupérer toutes les meufs Ford Street, lui, il n'y a pas de problème, il récupère. Et hop. Bon, sur la dernière, je pense qu'il a compris. Il a pris l'expérience quand même. La dernière, sa femme maintenant, je pense que voilà, je pense pas comme ça Ford Street. Mais toutes les autres, il a pris comme ça. Oh, oui, ça va être la mère de mes enfants. Allez, hop. On prend normal. Alors, en plus, il a eu de la chance avec Kim Kardashian. Bon, même si Kim Kardashian a du mal à se contenir et à calmer ses ardeurs et contrôler ce qu'elle a entre les deux jambes, on peut honnêtement dire que ça reste quand même une bonne mère. Voilà, quand même. Hein. Mais Amber Rose, voilà, elle est repartie. Voilà, Kanye West, après, je crois qu'elle a fait Wiz Khalifa. Et aujourd'hui, elle est arrivée, elle est avec un gars, il n'est pas du tout riche. Enfin, maintenant, c'est son ex. C'est-à-dire qu'elle s'est mise avec un gars qui n'est même plus riche, hein, et qui en plus s'est barré. Parce qu'elle a dit, mais non, je ne peux pas. Que je sois riche ou pas, enfin, non, ça peut pas. Donc les filles, vous n'apprenez pas de l'histoire. C'est dommage. Parce que tu le veuilles ou non, on a tous une stratégie de dating. Alors, il y en a qui sont même pas conscients qu'on est sur un marché du célibat. Je rappelle quand même qu'il y a les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. Et l'objectif, c'est quand même de s'accoupler, se reproduire. En tout cas, c'est l'idée de base. Et pour ce faire, ben, il y a des choses que les femmes recherchent chez les hommes et il y a des choses que les hommes recherchent chez les femmes. Donc les hommes, de toute façon, n'ont pas le choix de s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'une femme recherche parce que c'est nous qui devons aller vers elle. Donc tu as plutôt intérêt à savoir ce qu'elles veulent si jamais tu veux avoir une chance. Alors que les femmes, vu que ce sont les hommes qui viennent à elles, en général, elles ne s'intéressent pas à ce qu'un homme recherche chez une femme. Ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas forcément besoin d'y penser puisqu'on vient à elle. Alors c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te prendre la tête, mais du coup, vu que tu ne t'intéresses pas à ce qu'un homme vraiment recherche, eh ben, tu n'as pas les résultats que tu veux avoir. Donc là, les filles, comment elles se marketent sur le marché du célibat? C'est genre mettre des étiquettes partout sur leur visage. Je suis fort de street, et évidemment, je suis fort de street. Forcément. Parce que là, toi, tu cherches un homme riche en allant à moitié nu dans la rue,
boire de l'alcool, t'enjailler avec, avec ta copine et en traitant les hommes de déchets, hein, on pourrait le traduire de manière plus vulgaire, hein, mais bon, on pourrait dire le mot mère, hein, voilà, avec un D. Et tu dis ça normal sur Internet. Alors, je peux me tromper, Karen, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie pour pouvoir attirer l'homme riche que tu veux avoir. Je ne suis pas sûr, je peux me tromper, hein, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je me dis, je ne suis pas sûr que le riche, quand il voit, parce que vu que le gars est riche, et s'il a un peu de game quand même, chérie, t'es à Atlanta, j'ai envie de dire c'est le fief de Kevin Samuel, le défunt Kevin Samuel, je pense que les hommes riches ont un peu conscience du game. Ils ont un peu conscience du marché du célibat et je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent, normalement. Donc je ne pense pas que quand ils te voient comme ça, à moitié nu dans la rue, ton objectif dans ta vie c'est je vis ma best life, je vais boire de l'alcool, ça va super, et tu as 27 ans, je pense pas qu'ils se disent, tu vois, elle, j'ai envie que ce soit la part de mes enfants. Je vois toutes les qualités d'une épouse, je vois vraiment les, tout est bon, les gènes, tout est parfait. Ouais, je pense qu'elle, la legacy, ah ouais, elle va assurer, c'est sûr et certain. Non, je pense pas, non. Après, il y en a qui vont dire, eh non, mais c'est abusé, tu n'as pas le droit de me juger. Il y a des meufs qui font bien pire. Et y a des, et alors que moi, j'aime bien être sexy. Non, non, chérie, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est coordonné, là. Ça se voit dans ton comportement, la manière dont tu es, tout. On voit, for the street. Tu ne laisses même pas l'ombre d'un doute. Et après, tu dis que les gars sont des déchets. Ben, les gars te considèrent pour ce que tu es. Ils vont pas te considérer comme une femme wife materials, comme ils aiment dire. Une femme, ils vont pas te considérer comme une épouse. Comment tu veux qu'ils te traitent comme une épouse? Ou potentiel pour une potentielle relation long terme? À quelle heure? Donc les gars, je me dis, mais comment réfléchir? Je sais pas. Et jamais se remettre en question. Donc moi, j'ai pas de problème avec chacun ses standards. Tu as le droit d'avoir un gars riche, je ne juge même pas ça. Juste que je pense que la stratégie que tu utilises ne fonctionne pas. De toute façon, tu le vois. Mais non, c'est le problème, ce sera toujours les hommes. Évidemment, ce n'est pas elle. Elle est trop belle. Je suis trop belle pour ça. Et c'est ça le problème. Je pense que, tu vois, elle pense que tout est basé que sur le physique. Hein, ça me fait penser à elle. And then you're like, oh, well, you know, what do you bring to the table? Sir, why would I bring anything else to the table other than my physicality? Because that's what you like. That's why you're speaking to me. That's why you've decided to pursue me. That's why you're in my face. That's why you're in my DMs. That's why you're texting me, calling me. That's why you're asking me out, whatever it is. That's why, because you like the way that I look. Why would I bring anything else other than that? Why would I bring anything? I'm not bringing anything to the table. I'm not bringing a thing to the table other than this fat ass, these big titties, this pretty little fight. No, that's it. That's all you get from me. Donc tu vois, elle pense toute comme ça jusqu'au moment où elle va passer à 30 ans. En plus, elles ont déjà 27 ans. Elle sent pas le truc venir. Là, elle sent encore là. Hey, la vie est easy. On va boire de l'alcool ce soir. Je suis trop belle. Quand 30 ans va arriver, là, 32, bah, la vie va te gifler. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est à ce moment-là, tac, elles vont sur Internet, elles commencent à chercher. Et là, elles vont sur des podcasts. Oui, non, mais les filles, vous comprenez pas, mais les hommes, ce qu'ils recherchent, c'est ci, c'est ça. C'est quand la vie les a giflés. Ça achète des livres. Mais je comprends maintenant. Ah, mais tu comprends une fois que tu as moins d'attention. Une fois qu'on t'invite plus sur les yachts. Une fois que tu ne rentres plus en VIP à Miami. C'est là que tu as une épiphanie, hein? Comme cette demoiselle d'ailleurs. There's a book called The Unicorn Delusion, and it's really good for women. And it actually says, it's from a man, he's the author. He says that women are delusional because they think that their looks, vagina, and personality is special to men, but that's really not what keeps you. That may attract you, but it's not what keeps you. Yeah. And that is what shifted my dating as well, because I used to be one of those people like, oh, I'm so pretty, but like, so many other women are more beautiful than me. What is going to make me stand out to a guy? Yeah. How I talk to him, communicate, how I make him feel, my character. Elle a eu une épiphanie, tu vois. En plus, au passage, bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais elle dit, ouais, je pensais qu'il fallait juste être belle. Chérie, t'es quand même moyen at best. 5 at best. Franchement, là, tu... En plus, il y a ce truc de désillusion, de genre, je me crois plus que ce que je suis.
Donc là, tu avais vraiment la totale. Heureusement que tu t'es aperçu maintenant qu'il faut un peu plus quand même pour garder un homme. La beauté physique, ça attire juste pour du court terme. Et pour pouvoir retenir leur gars, ben, il faut avoir les qualités d'une épouse. C'est simple. Mais comme personne ne nous demande notre avis, hein, tout le monde s'en balayera. Parce que, eh, non, ils veulent parler que entre elles. Non, je, voilà, je pense que les hommes, c'est ce qu'ils cherchent. Moi aussi, je pense si, je pense ça. Et on est là. On peut donner notre avis ou pas? Non, 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 c'est n'importe quoi. Les hommes ne pensent pas comme ça. Bon, ok. Donc en fait, non, ah ouais, misogyne. Ah non, t'es misogyne, n'importe quoi, misogyne. Les hommes ne sont quoi que ça, misogyne. Donc là, maintenant, toi, tu donnes des conseils dans l'intérêt des femmes et on te traite de misogyne. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je trouve ça comique et c'est pour ça que j'en fais des vidéos. Comme ça, on rigole au moins. Au moins, les gars, on rigole. Parce qu'il faut savoir que nous, en tant qu'hommes, on n'est pas perdants. Enfin, je veux dire, for the street, c'est cool parce que les gars, ça ne leur dérange pas d'avoir du sexe. Hein. Voilà, si les gars, ils travaillent sur eux, hein, si jamais tu regardes mes vidéos, c'est que, en général, tu dois être un peu sensible quand même à te développer, travailler sur toi, créer ton business line. J'espère quand même que ça t'a déjà traversé l'esprit. Hein. Bon, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un acte, regarde quand même. À un moment donné, quand tu travailles sur toi, le long terme, tu vas toujours gagner. Tu auras les meufs for the street et tu auras aussi accès aux meufs, les femmes bien, qui ont les qualités d'une épouse. Donc, tu es gagnant. Donc oui les filles, votre stratégie ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous pensez que les hommes sont des déchets et qu'il va falloir avoir plus qu'un corps pour pouvoir avoir le gars riche que tu vas avoir. Parce que surtout qu'en plus, le gars riche, il a accès à toutes les femmes. Ou en tout cas, il a énormément d'options. Donc si tu as énormément d'options, enfin une femme belle, il y en a plein. Il a accès à plein de femmes belles. Qu'est-ce que tu apportes de plus que le fait que tu sois belle? Avec tous tes attributs qui sont dehors là. Là, on sait que le kilométrage, il est... Il est élevé. Le body card, on sait déjà. Tu affiches tout. Et au moins, fais au moins un petit peu semblant. Sois discrète. Tu laisses même pas le bénéfice du doute. On sait tout de suite qui tu es. Donc le gars, il te traite pour ce que tu es. Moi, j'ai connu les femmes. Tu sais pas. Elles sont fortes de trucs, mais tu ne sais pas. Au moins, après, il y a des red flags. Quand tu as le game, tu sais. Mais tu peux avoir le doute. Elle, elle laisse aucun doute. Donc c'est ce que j'en pensais, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, même si j'aime si t'as aimé cette vidéo, je te rappelle que si tu es plus loin avec moi, t'as tout en description et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Y a nous, j'ai ton camp.